Chers internautes, bonsoir. Atomon Benga. Initié, initiateur et consultant au sein de la tradition mystico-sculpturale bouddhiste qui se pratique au Gabon, ici en Afrique centrale. Je suis également président du CITRAB, Centre Initiatique Traditionnelle Bouddhiste, qui a pour but de promouvoir les connaissances, les enseignements et pratiques bouddhistes dans notre pays. On est revenu, comme d'habitude, tous les dimanches à 18h. Les enfants, vraiment, ils sont prolifiques. Hein? Ils ont tellement de questions, des questions qui fusent. Mais... C'est bien ça. Ils sont déjà là. Oui, mais nous sommes là. Hein? Oui, nous sommes là. Oui, je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Maître, nous sommes venus vous poser une question un peu particulière. Ah bon, hein? On va parler de l'acte sexuel. L'acte sexuel qui est entouré de multiples facettes. On se pose la question de savoir si l'acte sexuel... Qu'est-ce que vous dites là? L'acte sexuel... L'acte créateur, le premier acte, si je peux me permettre de le dire, le premier acte que Dieu a posé, c'est de créer cette double polarité. Le principe père-mère, comme on l'appelle, l'acte le plus important et le plus pur de l'univers. Je m'attends de vous le dire, tous les grands mystiques du monde entier le savent. L'acte le plus important et le plus pur de l'univers, il n'y a pas un acte qui dépasse celui-là en importance et en pureté. Mais c'est nous qui sommes faibles. Hein? Notre faiblesse, notre inconstance et notre nature mortelle nous rend trop faibles pour ne pas bien respecter ces principes-là, le véritable principe qui dirige tout dans le cosmos, l'acte sexuel. Peut-être c'est le mot sexuel qui le gêne. C'est un acte. Quand je parle, par exemple, du principe père-mère, le plus et le moins, l'homme et la femme. Mais ça se situe à tous les niveaux de l'univers, du cosmos. Partout où vous pouvez aller, c'est cet acte-là qui préside à la création de l'homme, des êtres et des choses. Dieu qui est satanique, eh bien, ça peut vous faire un peu là. Et qui dit ça, satanique, qui fait ce jugement-là, il occupe tout le ciel au tribunal divin. Les enfants, mais c'est quand même incroyable, hein. Mais moi, je vous dis, c'est l'acte le plus important et le plus dur. Il n'est pas satanique. C'est nous, par nos faiblesses, qui le rendons ainsi, parce qu'on ne comprend pas. Et une fois qu'on a commencé à comprendre, vraiment, on respecte
cet acte comme il le faut. Il n'est pas satanique. Ses multiples facettes. Ses multiples facettes sont là, mais l'acte lui-même est unique. Écoutez-moi bien, l'acte lui-même est unique. L'acte sexuel, vous entendez? C'est-à-dire union des sexes, n'est-ce pas? Union des sexes. Pour qu'il y ait manifestation, pour qu'il y ait mouvement, pour qu'il y ait équilibre dans l'espace infini, dans le cosmos, il faut qu'un élément entre dans l'autre. Il faut qu'un élément entre dans l'autre. Ou du moins, que ces deux éléments, ces deux principes primaires-là, se touchent. Une fois qu'ils se touchent, alors là, il y a manifestation. Comme on dit, le Père divin, la Mère divine, on peut le dire dans une certaine mesure. Il est tout neuf. Un acte extraordinaire. Il y en a qui ne cherchent même pas à comprendre cette affaire-là. Ils croient que ça reste comme ça au niveau de la médecine officielle seulement. Non. Ça commence au niveau métaphysique, au niveau spirituel. Au niveau mystico-spirituel, c'est là-bas que ça commence. Ça descend et ça arrive au niveau physique, humain, terrestre, ici. Il faut faire attention. Cet acte-là, dans le domaine mystico-spirituel, c'est un acte tellement sacré que quand un homme et une femme s'apprêtent à l'opposer, à poser cet acte-là, ils prennent certaines mesures, ils font une espèce de préparation et il y a des enseignements bien précis pour cet acte-là. Je dis un enseignement bien précis pour l'éveil de la conscience en l'homme. Cet acte-là, je dis, évolution spirituelle, éveil de la conscience en l'homme. L'homme se réveille. Comment ça se passe? Il y a des correspondances dans le corps de la femme et dans le corps de l'homme. Il y a des correspondances. Tout est représenté là. Avec les centres dont je vous parle là, ces points-là se touchent et ça crée des situations extraordinaires que l'homme, en tout cas, lui-même ne peut pas savoir expliquer. Il lui faut le rôle de cette mystico-spirituelle. Il lui faut ça. L'homme et la femme, quand il y a copulation, comme on le dit, ils arrivent à un niveau où espèce de chaleur, espèce d'intense activité s'établit. À ce moment-là, c'est moi qui vous explique ça un peu brièvement. À ce moment-là, il faut faire attention à ses pensées. Tout ce que vous pensez là, quand ça arrive, ça peut se réaliser. Si c'est négatif, c'est négatif. Mais la loi est là. Si c'est positif, c'est positif. La loi est là aussi. Il faut faire attention. Le côté sexuel est tellement sublime et compliqué. Compliqué. Parler de satanisme et tout là-dedans, c'est une plaisanterie. Une plaisanterie parce que ça, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas ce dont il s'agit là. Il faut faire extrêmement attention. L'acte sexuel lui-même est unique, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire pénétration du sexe de l'homme dans le sexe de la femme. C'est ça qu'on appelle l'acte sexuel. Bon, dans la société, au niveau physique, il y a par exemple le courant. Vous avez le courant, le plus et le moins. S'il se touche, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a?
attraction. Quand le plus et le moins se touchent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a soit lumière, soit chaleur, soit froid. C'est-à-dire le mouvement. Le mouvement. Et vous voyez les usines. Partout dans le monde, les usines là, pour fabriquer les, tout ce que vous utilisez là. Les ventilateurs, les machines, les voitures, les avions, les quoi. C'est l'acte sexuel, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire le courant, le plus et le moins. La haute tension et tout ça, basse tension, tout ça et tout et tout et tout, c'est toujours l'acte sexuel. Les mamans vont en plantation, là, pour aller planter les boutures de manioc, de canne à sucre et tout le reste. Qu'est-ce qu'elles font? Elles creusent un trou et on met la bouture de bananier et tout et tout. Qu'est-ce qu'elle va le comprendre? Et dire tout court de la communauté comme ça, oh, mais c'est satanique, c'est satanique. Là, vous présentez les gens qui savent. Les gens qui savent, ils disent quoi. Ils ne savent pas de ce dont ils veulent parler. Non. L'acte le plus important, je vous le répète, le plus important et le plus pur de l'univers. Il n'y a pas un autre acte qui dépasse celui-là en importance et en pureté. Voilà, je vous l'affirme sans crainte de me tromper, sans une moindre petite hésitation possible. Non, parce que c'est comme ça. Les gens qui ne savent pas, ils disent n'importe quoi, alors qu'il y a des études spéciales sur le plan mystico-spirituel pour expliquer et démontrer cet acte-là. L'acte principal, c'est l'introduction du sexe de l'homme dans le sexe de la femme. C'est ça, à véritablement parler, l'acte sexuel lui-même, contact des sexes. Mais cet acte s'accompagne de beaucoup de mouvements, beaucoup de situations, etc., etc. Quand on se prépare à l'opposé, là, hein, les accouchements, les machins, tout ça, les préparatifs, tout ça. Et puis, d'un autre côté, il y a des âmes qui doivent connaître certaines expériences. On parle des femmes qui se touchent, comment vous appelez ça? La femme qui se touche, là, la masturbation, l'homme aussi, etc. On dit, c'est satanique. C'est quoi, vous dites? Satanique. Mais d'où vient sa tendance d'affaire là? Mais non. C'est une situation particulière chez tout âme, tout être humain qui a une âme. Cette âme-là apporte de ses intentions passées, des expériences qu'elle a vécues, qu'elle doit continuer toujours dans le sens de son évolution spirituelle. C'est vraiment compliqué, hein. Expliquer ces choses-là pour les gens qui ne savent pas. Ils vont toujours dire, mais nous, là, vous racontez n'importe quoi, ok, pas de problème. Mais moi, je vous dis, toutes ces choses-là sont valables. Il faut les rechercher, il faut les découvrir, et il faut les appliquer. Tu n'appliques pas, c'est des problèmes. Je vous écoute, il y en a qui veut parler, qui veut poser des questions. Oui. Nous avons une question là. Oui. Est-il possible de faire des paroles, soit mentalement, soit verbalement, à haute voix ou à voix basse? Oui, ça existe. Ça peut être un certain côté, comme on peut dire. C'est pas bon, on veut dominer l'autre et tout, provoquer beaucoup d'amour, machin, ainsi de suite. Bon, mais l'acte lui-même, il est là, il est tout pur. C'est tout. Tout pur. Tout le reste que les êtres humains peuvent faire pour briller dans ce domaine-là, ça peut être soit positif, soit négatif.
Voilà, il faut faire donc attention. L'acte lui-même extraordinaire. Maître, oui. Vous avez mis en avant le caractère sacré et pur, du moins, de l'acte sexuel. Oui. À ce moment, comment on peut expliquer l'origine des multiples déviances sexuelles, si j'en ai homosexualité, zoophilie, inceste, sadomasochisme? Comment on peut expliquer cela? Expliquer. Mais. Leur origine. L'origine. Mmh. Et la création de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, mmh. il a regardé. Et ces gens-là que j'ai créés, regardez ce qu'ils font. Là, voilà le résultat là. Voilà là. Voilà là. Non, s'ils continuent à faire comme ça, ce sera un déviationnisme impénitent et vraiment incontrôlable. Donc, il faut donc faire extrêmement attention. Dieu a organisé, il a organisé la société, principalement au temps de Moïse. Oui, c'est là que Dieu dit, un homme ne doit pas coucher avec un autre homme, mm-hmm. mais il faut pas coucher avec des animaux, mm-hmm. etc., etc., plein de choses, plein de choses. Voilà. Il a vu que quand ce genre d'activité se produit, quand ils font ces choses-là, ça provoque certaines situations chez eux, chez eux. À l'intérieur de la femme, se touche, quand ces points-là se touchent, ça crée des situations extraordinaires qui sont difficiles à décrire, difficiles à décrire. Donc, histoire de dire, non, Dieu sait. Pourquoi, justement, dans la Bible, on ne parle pas de ce qui se passe, ce qui peut se passer entre une femme et une autre femme. Est-ce que c'est l'acte sexuel, ça? C'est pas l'acte sexuel. Un homme et une femme qui s'embrasse avec l'autre. Hein? C'est pas l'acte sexuel. Un homme qui s'embrasse avec un autre homme. S'embrasser seulement. C'est pas là. C'est négatif, c'est pas positif, ça. Mais c'est quand il y a union de l'homme et de la femme, des deux sexes, c'est là que c'est extraordinaire, merveilleux, céleste, comme on peut le dire. Parce que ce qui se passe là, si vous avez les véritables enseignements qu'il faut, ce qui se passe là peut vous conduire dans des états extraordinaires d'illumination spirituelle. Les gens ne savent pas. Ce sont les mystiques qui savent. Donc, les contours de l'acte, les préparatifs de l'acte, on ne peut pas les interdire. Et c'est pas mauvais. On se prépare à quelque chose de bien précis. Et quelque chose, cet acte-là, sublime, eh bien, c'est extraordinaire. C'est hautement divin. Ouais. C'est hautement divin. Je vous assure, les enfants, c'est pas la peine de vous inquiéter de tout ce que les gens vont raconter, machin, c'est satanique, c'est ceci, c'est cela, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Vous avez des questions, je vous écoute. Moi, on voudrait avoir une précision en ce qui concerne la sodomie. Oui. Du côté de l'homme et la femme. Oui. Ça aussi, c'est pas clair. Je vous précise que l'acte lui-même, l'acte central, comme on peut l'appeler, D'accord. Même l'acte sexuel à proprement parler, c'est celui qui se proprement parler. L'acte de contact de sexe. Le reste, c'est pas l'acte sexuel. Mais, oui. La sexualité, la spiritualité, d'aucuns disent que le sexe de la femme est une porte qui mène à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? C'est l'exacte vérité. Je vous assure. Ceux qui disent ça, ils disent une exacte vérité. Il y a des études spéciales, des études mystiques. Bon, il y en a qui l'appellent la magie sexuelle, d'autres, etc., etc., etc. C'est extraordinaire.
Je vous dis, c'est extraordinaire parce que la femme est disposée d'une manière particulière qui peut entraîner l'homme vers le haut niveau divin, vers le haut niveau, Dieu divin. C'est vraiment c'est, la question que vous posez là, c'est ça. C'est vrai. Ne vous sous-estimez pas. Parce que le corps de la femme est à une disposition spéciale pour aider l'homme même à évoluer. Il y a des trucs que je ne peux pas vous dire, il y en a qui ne vont pas croire. Et ils vont dire, j'ai dit n'importe quoi, mais non. Mais d'autre part, là, vous voyez, je vois mon grand-père, avant d'aller en voyage ou bien avant d'aller faire un discours ou solliciter quelque chose comme il était chef, il allait d'abord chez sa femme. Faire l'amour avec elle. Oui. À d'autres moments, il léchait les lèvres de son vagin. Les gens ne comprenaient pas, mais ce type-là, il dit, si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez même pas gagner. Quand il fait ça, il est couvert de la puissance divine, je vous assure. La puissance de la mère. Ce qu'il va dire devant les gens, tout de suite, ils vont accepter. Ils vont accepter. Extraordinaire, ces choses-là. Mais, regardez, tu ne sais même rien du tout de la vie. La femme, quand elle est nue, elle est dans toute sa pureté devant l'Éternel. Ce qu'elle peut faire là, en toute conscience, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Et puis, elles étudient la femme. Et puis, les relations entre l'homme et la femme. Ces relations-là, on appelait ça en Égypte la magie. La magie, la magie sexuelle d'Isis. Ouais, la mère divine. Une étude spéciale, vraiment, qui explique à la femme le comportement qu'elle doit adopter, ce qu'elle est elle-même, ce qu'est l'homme, ce qui se passe dans leur union et tout, ils sont un. Et pourtant, double. Et ils sont un. Ce qu'ils font là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que l'homme fait seul, c'est bon, mais c'est incomplet. Ce que la femme fait seule, c'est bon, mais c'est incomplet. Ce que l'homme et la femme font ensemble, c'est ce qui est complet et parfait. Quelqu'un qui dit, là, c'est sexuel, c'est toutes les bêtises qu'on raconte là-dessus, ça fait tout simplement rire. Les mystiques qui savent toutes ces choses-là, ils regardent ces gens-là, ils ne savent rien, ils veulent quand même parler, ils veulent quand même parler. Oui, je vous pouvez nous éclairer sur la sexualité, le groupe, c'est-à-dire les partouzes, est-ce qu'elles sont des abominations? Niet, quelle abomination. Quelle abomination? Sensationnel. Ça met les gens à l'aise, ça met les gens dans la joie. Et ça ne rend pas les gens malades. Vous avez déjà vu ça? Non. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quand tu es sexuel, le groupe machin, tout ça, et puis les gens tombent malades. Hein? Mais c'est quoi? Pourquoi on veut dramatiser des trucs qui ne sont pas de l'être? C'est quoi cette histoire-là? L'homme a sa vie. Je vous ai dit, ce sont des expériences que les âmes qui vivent, qui existent dans le corps d'homme. Ce sont des expériences qu'elles ont vécues dans le passé, au cours de leurs diverses incarnations. Et au fur et à mesure, qu'elles évoluent. Je vous ai dit qu'une intense activité sexuelle, par exemple, n'empêche pas l'évolution spirituelle. On dit, cette femme-là est pute, c'est une femme... des rues, et puis, moi, je vous assure qu'elle peut avoir un degré d'évolution spirituelle qui dépasse, je ne sais même pas, ces grands hommes qui se disent des hommes spirituels, tout ça, rien du tout. Elle peut avoir un haut degré d'évolution spirituelle, je vous le dis.
Ça n'a rien à voir avec l'évolution spirituelle. L'évolution spirituelle, c'est autre chose. Un homme, deux femmes qui s'embrassent, c'est, bon, tout ce que peut faire des enfants. Est-ce que la femme a un sexe qui va s'introduire dans le sexe de l'autre? Non. Et alors, c'est pas un acte sexuel. C'est cela, le domaine sensationnel, les sensations, la joie, la paix, le bonheur et tout, terminé. Terminé, hein? Elles sont contentes et tout. Quand on dit qu'il faut régler, il faut soigner les actes qu'on pose dans ses relations avec les autres êtres humains. Parce que ce n'est que ça. Ce n'est que sur ça qu'on est jugé, que l'on est jugé. Uniquement sur les actes volontaires et conscients qu'il pose dans ses relations avec les autres êtres humains. Bon, ces actes-là, quels sont-ils? Quel genre d'actes? Les actes qui rendent l'homme malheureux, les actes qui font souffrir l'homme, les actes qui font pleurer l'homme, comme on peut le dire. Il se plaint, il souffre, il y a la douleur. Au niveau de la conscience, au niveau moral, au niveau physique, etc., etc. C'est les actes comme ça, tuer l'autre. Vous sautez volontairement et consciemment sa femme, exprès. Alors là, s'il découvre ça, qu'est-ce qui peut arriver? Vous voyez, un danger peut arriver. C'est ce genre d'acte. Bon, maintenant, donner de l'eau à boire à un frère ou à une soeur qui demande. Quel est cet acte-là? Hein? Donner à manger à un frère ou une soeur qui a faim. Recevoir un frère qui est étranger, quelqu'un qui est pauvre, l'assister, et c'est une expérience sur Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, cette distraction doit maintenant terminer. C'est une distraction, dire aux gens de croire, réveiller la foi. Quelle foi, les choses qu'on espère, n'est-ce pas? Les choses qu'on espère. Mais vous n'avez qu'à expérimenter pendant 1000 ans, il n'y a rien qui viendra. La foi, c'est la certitude absolue, confiance absolue. Mais cette certitude et cette confiance ne viennent qu'après l'expérience personnelle. Pas avant, après l'expérience personnelle. Vous-même, vous voyez comment Dieu intervient pour aider ses enfants, et même pour vous aider vous-même, et tout le temps. Vous ne pouvez plus douter. Là, vous êtes certaine. C'est ce genre de foi qu'on appelle la foi active et inébranlable. Tout le reste, là, on veut traîner les gens dans ce cercle vicieux. Non. La sexualité, pas la sexualité, c'est une autre affaire divine. Et là-dedans, il y a des façons de faire l'amour à une femme qui peut vous faire effleurer les royaumes célestes. Je vous l'affirme sans crainte de me tromper. Je vous l'assure, les enfants. C'est pas pour vous tromper, nous dire n'importe quoi, non. Moi, j'ai toujours aimé, je parle toujours des choses que je sais et que je connais. Je sais ces choses-là parce que mes maîtres me les ont expliquées. Je connais parce que ces mêmes maîtres m'ont aidé à expérimenter, à les vérifier. Au cours des initiations, quand je vous recommande de vous initier et tout, c'est pour aller vérifier ces choses-là. Voilà. Donc, je ne plaisante pas. De se recharger avec la sexualité. Affirmatif. C'est là justement que la femme est d'une importance extraordinaire. La femme peut recharger l'homme. L'homme, son homme. La femme. Se recharger elle-même, ça n'arrivera pas beaucoup. C'est le faire elle-même, il faut des études spéciales et des exercices spéciaux. Voilà. Mais quand il s'agit d'évolution spirituelle entre le contact qui doit exister entre un homme et une femme, je vous assure que non, la femme,
extraordinaire. Extraordinaire. Ah, dans la masturbation, oui. La femme peut se recharger elle-même sexuellement dans la masturbation. C'est pas se recharger. La femme peut se satisfaire. D'accord. La joie, le bonheur, la paix qui ont été pris. Je vous ai dit tout à l'heure, là, il y a des points précis sur le sexe de l'homme et des points précis sur le sexe de la femme. Quand il y a un rapport sexuel, si ces divers points-là sont touchés intensément et régulièrement, oh là là, je vous assure que là, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez dire, c'est je suis où là? Vous pouvez vous élever, et vous deux, ensemble, vous pouvez vous élever vers le haut plan divin pour atteindre l'illumination, je vous assure. L'illumination. Il y a des études spéciales dans ce domaine-là. C'est ça le problème. Les gens qui veulent en parler sans avoir entrepris ces études-là, c'est une perte de temps. Mais ça signifie oui. Que de la même façon, la femme peut recharger l'homme au niveau spirituel. Oui. Il peut aussi y avoir une femme qui peut décharger un homme spirituellement au travers de l'acte sexuel. Affirmatif dans le sens négatif. Exactement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Affirmatif, oui. C'est vrai ce que vous dites là. Ouais. Maître, il y a une question d'un frère sur Facebook qui demande en fait qu'est-ce que vous pensez de la libido? Cette forme d'énergie en fait. Quel est votre point de vue sur la libido? Cette forme d'énergie qui vient d'où? De l'intérieur, cette envie d'avoir un rapport sexuel, de prendre la vie. Je vous assure que là, d'abord je vous ai dit que l'intense activité sexuelle n'empêche pas l'évolution spirituelle. Or, cette intense activité vient d'abord de ce grand désir qui vient, qui est en lui, hein, et qui se manifeste à travers son corps, même ses facultés et tout. Alors, il faut les extérioriser, hein, par des contacts avec, par exemple, la femme, ou bien si lui-même a des études spéciales qu'il a entreprises, il va le faire individuellement. Parce qu'on peut faire ces choses-là individuellement, personnellement, comme on peut le faire en groupe, c'est-à-dire l'homme et la femme. Ouais. Mais pourquoi les rapports sexuels sont interdits la journée aux initiés? Oui. Et vous voulez que je donne cette réponse publiquement aux profanes, n'est-ce pas? Initiez-vous, si vous voulez que je vous donne des explications là-dessus. Oui, parce que vraiment c'est grave. Mais c'est grave. Est-ce qu'il existe des positions sataniques? C'est-à-dire, lors d'un rapport sexuel, est-ce qu'il y a des positions qui sont proscrites? À partir du moment où on dit l'acte sexuel est divin, toute position que vous pouvez prendre pour accomplir cet acte-là est divine. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas satanique, comme vous dites. Quand vous le faites normalement, naturellement, c'est tout. Donc, ce n'est pas la peine de craindre ça. Quand vous avez des rapports sexuels, il faut même faire attention parce que là, vous pouvez provoquer la réalisation de certaines choses, hein, des choses extraordinaires. Voilà pourquoi on dit, faites attention quand vous faites ça. Au moment où, par exemple, vous faites ce qu'on appelle jouir, il faut faire attention. Vous pensez que vous pouvez avoir là, attention. Si vous voulez penser, ayez de bonnes pensées à ce moment-là. Mais si vous avez de mauvaises pensées, sincèrement, la loi existe, n'oubliez pas la loi. Hein. La loi va vous reprendre. Il faut faire attention. Ouais. Maître, il y a une question qui nous vient de quelqu'un sur Facebook. Oui. Maître Atom, que pensez-vous de la suprasexualité? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est supra.
Je vais lui dire là, l'intense activité sexuelle n'empêche pas l'évolution spirituelle. En conséquence, je ne pense pas que c'est mauvais. Vous allez voir que si vous êtes cinq hommes ou cinq femmes, il y a un homme, un camarade qui peut vous dire, mon gars, l'ami là, à Kébé, j'ai sorti une femme. En Kébé aussi, hein. Je suis là, à là, là, et après là-bas, je suis là, à Mindoubé, partout. Une seule nuit, tu as eu le temps de faire ça. C'est sa constitution physique. C'est sa constitution physique qui lui permet de le faire. Et par contre, vous, qui ne pouvez pas le faire, n'essayez même pas de le faire. Il vous a raconté ça, ce qu'il a fait, mais vous, n'essayez pas de le faire comme lui, vous risquez de tomber malade. C'est ça. Ces limitations-là, il faut les éviter, là. Suivez, expérimentez votre propre corps. Au niveau spirituel, hein, pas au niveau physique. Non, c'est pas au niveau physique. Au niveau spirituel, c'est-à-dire les facultés vont se mettre à fonctionner d'une manière particulière qui feront en sorte que vos âmes s'élèvent naturellement, pam, jusqu'au haut niveau divin. Jusqu'au haut niveau divin. Hein. Et la joie que vous allez éprouver là, quand vous allez revenir, va rester pendant des jours, des semaines. En vous là, à l'intérieur de vous, et autour de vous. C'est ça. Mais maître, avant d'entendre, oui. quand on parle souvent de l'iboga et de ses effets sur le corps humain au moment de la prise de l'initiation, oui. est-ce que c'est le même effet? On parle de l'iboga. Oui. Le fait de déclencher les facultés de l'être humain. Oui. Est-ce que c'est la même chose par rapport à la sexualité, par rapport au fait de monter au septième ciel? Mais ce qui fait fonctionner les facultés peut permettre que ce genre de situation se produise. Ce qui fait fonctionner les facultés psychiques, oui, quand les facultés psychiques fonctionnent d'une manière harmonieuse, d'une manière harmonieuse, équilibrée, c'est là. C'est là qu'il y a toujours ces états spirituels-là, inqualifiables vraiment. Quand vous le connaissez, c'est difficile de les expliquer aux autres. Difficile. C'est le même effet. Exactement le même effet. D'accord. Ouais. Maître, oui. Il y a une question. Oui. Il y a un de nos frères qui demande, afin de pouvoir pratiquer des montées de liquide christique, il n'est pas recommandé d'évacuer durant les 2 jours et demi où la lune passe dans notre signe du zodiaque, pardon. Ce qui se produit une fois par mois. Qu'en est-il pour la femme? Mais c'est la même chose. La femme aussi a ses signes. Pourquoi l'Église fait-elle si grand cas de la chasteté? La chasteté. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui est plus important, la virginité ou la maternité? La maternité. Et pourquoi? Parce qu'elle donne la vie. Et alors, je vous ai dit qu'une intense activité sexuelle n'empêche pas l'évolution spirituelle. Je vous l'ai dit, si l'Église fait le cas de ça, bon... C'est que, à un moment, hein, l'acte sexuel fatigue. Ça fatigue, ça distrait l'homme à un moment ou à un autre. Ça vous épuise les forces. Hein. À ce moment-là, quand on veut que vous déployiez ces forces-là pour entrer en communication avec le divin, vous êtes incapable. C'est à cause de ça. Mais l'acte lui-même, un acte merveilleux, je vous assure. Parce que si on peut vous dire ce que les grands maîtres ont expérimenté, les grands maîtres dont on parle, même dans les églises, partout, extraordinaire. Hein? Ok. Mais une autre question. Oui. Il y a un frère qui dit
que vous parlez à juste titre de mouvement lors de l'étreinte amoureuse, l'acte sexuel. Tout mouvement suppose une énergie. Question, à quelle énergie faites-vous allusion lors de l'étreinte amoureuse, du moins lors de... Au niveau de la sexualité à distance, c'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup font l'amour par téléphone. Est-ce que l'énergie peut se transmettre à distance si vous faites l'amour à distance? J'ai dit, là, c'est sur le plan émotionnel, tout simplement. D'accord. Hein? Tout simplement sur le plan émotionnel, parce que je vous ai posé déjà la situation. J'ai dit l'acte sexuel, c'est l'introduction du sexe de l'homme dans le sexe de la femme. Là, les deux sont là. L'un en face de l'autre. C'est tout. À distance, c'est seulement le monde émotionnel. Merci. Maître, il semblerait que les maîtres initiatiques ne doivent pas avoir de rapport sexuel, car ça chasse les esprits, ou les esprits ne peuvent pas les visiter à ces moments-là. Est-ce que c'est vrai? Mais en mouvement, les facultés psychiques de l'homme qui fonctionnent à un haut niveau, même après l'acte, ça reste encore et ça finit progressivement. Mais à d'autres moments, on va vous dire, ne faites pas ça. Ça vous épuise des forces. À partir de ce moment-là, vous êtes faible pour recevoir les messages qui viennent des plans divins. C'est l'un ou l'autre, en tout cas, ça dépend des individus. Voilà. Mais est-ce qu'on peut nettoyer notre aura avec la texture? Affirmatif. Nettoyer veut dire augmenter, la faire briller. L'aura, c'est quoi? C'est le halo. Voilà, ce tour-là. Dans ce cercle-là qui entoure la tête des seins, des maîtres, tout le corps même. Voilà. Dans ce cercle de lumière-là, c'est ça qu'on appelle l'aura. Alors, avec vos pensées, avec vos paroles, avec vos actes, et même avec l'acte sexuel, ça se réveille à un haut niveau, hein, maman. À un haut niveau, hein. À un moment, vous pouvez ne pas vous en rendre compte, hein. Ben, ça se passe. Ça se passe. C'est ça. Maître, au début de notre entretien, vous avez parlé du principe père-mère. Oui. Que là, on parle de père. Je vais aborder le problème de la procréation. Qu'est-ce qu'il en est de ce principe chez les personnes, on va dire les homosexuels? Donc, ceux-là qui sont appelés vulgairement les PD, qui sont. Je vous dis, pour ceux qui admettent ce qu'on appelle la réincarnation des âmes, ceux qui l'admettent, parce que dans les églises, c'est maintenant qu'on commence à l'admettre, on voulait cacher ça, et ce n'était pas tellement mauvais parce que s'il fallait dire à l'homme que « mais non, tu vas vivre encore, machin, ainsi de suite », les gens allaient faire n'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Il fallait leur faire peur. Et même, où est le domaine de l'enfer? L'enfer, le ciel, le purgatoire, ce ne sont pas des lieux, ce sont des états d'âme. Voilà. Et il faut en parler pour faire peur aux gens. Hein? Faire en sorte qu'ils évitent de commettre les péchés. C'est ça. Alors, donc, l'homosexualité, ceux qui pratiquent l'homosexualité savent très bien que le domaine de l'enfantement n'est pas là. Mm-hmm. Mais oui, parce que le dispositif qui doit être sur l'homme et l'autre qui doit être sur la femme n'existe pas entre ces deux-là. Vous le savez. Et alors donc, parler de procréation et tout, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ok, maître, il y a un internaute qui revient sur la question de la suprasexualité. La suprasexualité est une pratique qui préconise la gnose. Les gnostiques disent qu'il faut être fidèle à une seule femme et transformer l'énergie sexuelle en vapeur, éveillant la kundalini.
pour la laisser circuler dans le corps à travers tous les chakras. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est ça. Ça veut dire que je voulais parler de, justement de cette forme de sexualité qui est bien étudiée, bien réglée. L'homme est au courant de ce qu'il doit faire, la femme est au courant de ce qu'elle doit faire. Bon, elles entretiennent ces rapports-là et ils arrivent à des états extraordinaires. Les facultés, effectivement, fonctionnent, la Kundalini. C'est ce qu'on appelle le feu serpent chez tout être humain. Le feu serpent. Ah, il faut voir comment on diabolise le serpent. Ah, c'est satanique, machin, tout ça. L'ignorance, ça, c'est quand ça nous tient, c'est quand même dangereux. Mais non, on revient le feu serpent, la Kundalini. Dans la tradition bouddhiste, on l'appelle, cette Kundalini, on l'appelle le vampire. Ils disent que nous, on ne reconnaît qu'un seul vampire. C'est lequel? C'est celui que Dieu donne à l'homme et qui gise à la base de l'épine dorsale de tout homme. Quand il monte vers le sommet de la tête, ça fait vibrer ces deux glandes-là, la glande pinéale, la glande pituitaire, parce que l'interaction vibratoire de ces deux glandes donne ce qu'on appelle la troisième vue. Tout ce que le frère dit là, c'est l'exacte vérité. C'est comme ça que ça se passe. Être fidèle à sa femme, ça veut dire que sur le plan émotionnel et sur le plan vibratoire même et sur le plan psychique, beaucoup de partenaires, il faut éviter. Il y en a qui ont des influences un peu négatives, mal chargées et tout, si vous prenez une femme avec laquelle vous vous êtes habitué, hein, vous vous êtes habitué à vivre avec elle, hein, et vous faites ces choses ensemble, je vous assure que vous allez atteindre des niveaux spirituels extraordinaires. Extraordinaires. La fidélité est quand même nécessaire. Pas quand même, elle est vraiment nécessaire. La fidélité. Tu touches là-bas, tu touches là-bas, tu touches là-bas, tu vas ramasser maintenant des influences de... C'est pas tout le monde qui est positif dans ce domaine-là. Tu vas ramasser n'importe quoi. Et voilà pourquoi même quand on s'apprête à l'initiation chez les bouddhistes, on empêche les gens d'avoir des rapports sexuels, de serrer la main aux gens, et de beaucoup se balader et tout. Parce que les gens sont différents. Différents. Regardez, il y a les plexus, c'est-à-dire les bouts de nerfs. Quand vous serrez la main à quelqu'un, il peut vous communiquer ce qu'il a comme influence. Si c'est positif, c'est bon. Si c'est négatif, ah, c'est dangereux. Pareil, les rapports sexuels, ce sont les plexus. Le bout du sexe de l'homme, c'est un plexus. Le bout du sexe de la femme, c'est aussi un plexus, c'est-à-dire terminaison des nerfs. Terminaison des nerfs. Donc, ça transmet tout ce que l'homme a en fait de vibration, de communication, d'énergie, quoi. Donc, il faut faire attention. Faut pas faire ça pour conserver un peu les énergies avant l'initiation. Voilà. Faut faire attention. Maître, nous avons une question par rapport à... Nous sommes toujours dans le domaine de la sexualité et la spiritualité. Oui. On veut être situé sur le mari de nuit qui pratique la sexualité sur l'être humain vivant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là? Initiez-vous. Parce que le problème de mari de nuit, c'est pas bien expliqué. Bien, rien du tout. C'est après l'initiation qu'on vous explique. Là. Non. Pour nous en tenir au livre de la tradition que vous appelez la Bible, on ne dit pas que Dieu a créé les enfants d'Adam et Ève, comme il a créé Adam et Ève, ces deux-là. Non, ils ont bel et bien eu des rapports sexuels. Et il ne leur a pas dit, attendez que je vous dise que maintenant vous pouvez avoir des rapports sexuels. Il ne leur a pas dit ça. Il a
a seulement dit multipliez-vous et remplissez la terre. Dans vos yeux, partout où vous le trouvez, on vous dit que il faut attendre. Il faut attendre que vous soyez mariés. Hein? Il faut attendre que vous soyez mariés. Mais c'est quoi cette histoire-là, que vous soyez mariés? Tout le long de la Bible, on voit les gens qui épousent les femmes qui ont d'abord vécu avec d'autres hommes et les hommes qui ont vécu avec les autres femmes et qui se sont mariés et ça a marché. C'est quoi cette histoire-là? C'est le comportement de l'homme qu'il faut expliquer. Qu'on soit vieux, qu'on soit ceci, qu'on soit cela et tout, c'est le comportement que l'homme doit avoir à l'égard de sa femme et c'est le comportement que la femme doit avoir à l'égard de l'homme, de son homme. Parce que l'homme n'est jugé que sur son comportement, les actes qu'il pose dans ses relations avec les autres. Le fait qu'il faut d'abord se marier, il ne faut pas goûter, comme on le dit. Non. Jamais du tout. Jamais. Maître, pourquoi dans notre société, nous vivons quelque chose depuis nos aïeux jusqu'à présent? Pourquoi nous n'arrivons pas à digérer que notre partenaire puisse partager l'acte sexuel avec quelqu'un d'autre? Pourquoi ça peut détruire un être humain? Dieu, le grand savant, le seul savant, n'est-ce pas? Suivez-moi les enfants. Le seul savant, quand il a créé l'homme et tout, il a prévu cette histoire de jalousie là. D'un côté, et de l'autre, je vous l'ai dit tout à l'heure là, des influences négatives comme les gens. Tu es avec ton mari, vous êtes bien là, vous êtes habitué à vivre ensemble et tout, c'est correct pour toi. Tu peux sortir avec quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas comment il est, lui, au niveau énergétique. Tu ne sais pas comment il est. Il va vous communiquer ça, et vous allez communiquer ça à votre mari. Ça peut avoir d'autres situations. Ça peut créer d'autres situations. C'est ça qu'il faut expliquer. Ça peut créer d'autres situations. Autrement dit, le rapport sexuel lui-même, il n'y a pas de problème, on peut l'entretenir avec n'importe qui, mais il y a beaucoup d'inconvénients là-dessus, c'est ça qu'il faut éviter. C'est même le rapport sexuel là, quand on pense au partenaire, on peut être à l'aise, mais quand on pense à la manière dont il pratique l'acte sexuel, on se dit c'est comme ça qu'il pratique aussi ça ailleurs, ça détruit l'être à l'intérieur. C'est ça qui prévoit justement la jalousie, comme je vous l'ai dit là, Dieu a prévu ça. Voilà pourquoi il a dit de faire extrêmement attention. Il a réglé ça au temps de Moïse, là. Faut pas sortir avec la femme de ton frère. Faut pas faire ceci, ceci, parce qu'il a prévu ces situations-là. Et c'est ce qui se passe. Est-ce qu'on peut le nier? C'est pas ce qui se passe dans la société. Alors c'est ça. Il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention, les enfants. Hein. Vous-même, vous savez ce que c'est, non? C'est positif ou négatif? C'est quoi? Positif. Période de menstruation. Positive, cette période-là. Et pourquoi on dit à la femme, quand tu es dans cette période-là, il faut pas aller avec le mari, il faut même pas être à côté du mari, et même chez les initiateurs-là, il faut même pas toucher à une femme. Et dans le domaine biblique, au temps de Moïse, une femme qui est en règle, elle ne reste pas avec les gens au village. On l'envoie quelque part, un peu à l'écart. Elle est là-bas seule. Non, c'est ça, c'est une situation qui n'a pas été fructueuse. Donc, ce sang-là est inutile. Il faut le dégager. Il faut le dégager. Il n'est pas positif, comme vous le dites. Il n'est pas positif. Se recharger, non. Quand elle a fini, maintenant, la situation normale reprend. Si elle a des connaissances pour se recharger, elle les applique très bien et ça va aller.
Oui. Si elle n'a pas de connaissances, mais ça arrive naturellement, mais lentement, progressivement, progressivement. Voilà. C'est ça. Merci, maître. Il y a un frère qui demande s'il est bon d'avoir un rapport sexuel après une veillée. Après une veillée. Est-ce que c'est bon? Oui. Déjà, quand on nous instruit sur ces choses-là, je ne vois pas où est le mal, d'une manière générale. Mais il peut arriver que ces entités qui sont venues traiter avec vous lors de la cérémonie veulent encore continuer à traiter avec vous, même après la cérémonie, pour vous révéler, pour vous faire d'autres révélations. Mais elles vous trouvent beaucoup occupées. Beaucoup occupés ou bien beaucoup fatigués, vous n'êtes plus capable de leur accorder d'être réceptif. Vous n'êtes plus vraiment réceptif pour recevoir leur message. Voilà pourquoi on peut vous dire attendez d'abord un, deux ou plus trois jours après une cérémonie. Est-ce que vous avez compris? Ok. Un autre frère qui demande qu'est-ce qui se passe lors d'un rapport sexuel, l'un des partenaires a des pensées positives, l'autre des pensées négatives. Cette interférence, vraiment, elle est dangereuse. C'est-à-dire collision d'idées, de pensées positives, des pensées négatives. On va à quel résultat d'après vous? Pas un bon résultat. Pas un bon résultat. Hein. C'est le négatif qui va gagner. Pourquoi? Parce qu'il détruit facilement. Le positif est là, c'est vrai. Mais le négatif détruit facilement. Ça gêne considérablement. À d'autres moments, c'est le positif qui peut prendre le dessus s'il est plus fort. Voilà. L'intensité. Voilà. Maître. Oui, je vous écoute. Pourquoi lors d'un rapport sexuel au moment de la jouissance, les femmes crient souvent « oh mon Dieu, est-ce que exact, exact. Est-ce que... C'est Dieu. Parce que vous accomplissez un acte divin. Et c'est Dieu qui a créé cet acte-là. On ne peut que se référer à lui. Non, c'est merveilleux, hein? Merveilleux. Mais pourquoi vous riez? Je vous dis que là, nous parlons des choses tellement sérieuses que non, je ne sais même pas comment il faut vous faire comprendre ces choses-là. Tellement sérieux, je vous assure. Toute la vie est là. Toute la vie. Parce que le rapport sexuel, ces notions-là ne doivent pas s'arrêter seulement aux êtres humains, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça englobe toute la vie. Je vous ai parlé de la fabrication des voitures, des avions, le courant. C'est toujours l'acte sexuel, c'est ça, l'acte sexuel. Hein? Ce courant-là, le plus et le moins, quand il se touche, allez. Alors, donc cet acte-là est d'une extrême importance, d'une importance extraordinaire. Mais est-ce que c'est pour cela qu'il y a certaines personnes... Il y a certaines femmes, nous avons entendu des histoires, et parfois elles perdent la tête, elles perdent connaissance, elles se mettent à dire un peu les mots insensés, elles se perdent. Les mots insensés, dites-moi ce mot insensé là. Se mettre à insulter sa mère, à dire des trucs dans sa bouche. Oui, en tout cas, quand elle est trop sensible, elle est dépassée par l'événement. Voilà. Si elle est... Oui, quand elle est trop sensible. Puisqu'il peut arriver que l'homme ne lui demande rien. C'est elle-même. Comme il peut arriver aussi que l'homme lui demande, dis comme ça, elle ne fait que répéter. Deux initiés se retrouvent à pratiquer l'acte sexuel et à un moment donné, ils ne se retrouvent plus eux-mêmes pendant l'acte sexuel. C'est-à-dire, ils peuvent voyager... dans la haute divinité, si je peux dire ça. Oui. Et l'acte sexuel se passe sans qu'ils se rendent compte de tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils n'ont jamais été préparés à ça. On ne leur a pas encore expliqué réellement ce qui se passe. L'expérience qu'ils ont eue, toutes les expériences qu'ils ont eues à ce niveau-là,
ils ne les ont pas comprises parce qu'on ne leur a rien expliqué. Et là, ils sont habitués à ne pas tenir compte de ça quand ça arrive. C'est ça le problème, c'est malheureux. Il faut des études, il faut qu'on vous explique ces choses-là. Le domaine initiatique est extraordinaire. Vous croyez que ça s'arrête seulement à ces choses que vous demandez, les biens matériels que vous demandez, ça, l'initiation, c'est ça. Mais pourquoi quelqu'un qui a le sexe est qualifié de non-dit? Faux. J'ai dit faux. Je l'ai dit tout à l'heure. Une intense sexualité n'empêche pas l'évolution spirituelle. C'est individuel. Ça concerne chaque individu. Chaque individu vit ces choses-là à sa manière. C'est tout. Pourquoi les gens ont honte de parler de sexualité? Mais justement, parce qu'on ne leur explique pas bien ces choses-là. On ne leur explique pas bien ces choses-là au niveau spirituel, parce que ça commence là, au niveau spirituel. Ça descend. Ça arrive au niveau humain. Voilà pourquoi, par exemple, les femmes qui font le djembé, elles comprennent très bien, on leur explique toute la situation. Elles comprennent ça très bien. Et quand vous moquez d'eux, regardez-moi, ces ignorantes-là et tout. C'est ça. Ouais, il faut faire attention. Hein. Étudier ces choses-là. Chercher à comprendre. Pas critiquer, tourner au ridicule, sataniser, diaboliser et tout. Non. Chercher à comprendre. Soyez des points vivants d'interrogation comme moi. C'est ça. C'est ça qu'il faut être. Ouais. On va vous expliquer. Toujours. Maître, oui. Il y a une question. Il y a une soeur qui demande s'il y a des mariages qui sont prédestinés sur le plan spirituel. Les mariages prédestinés. Homme-femme. Eh bien, et les hommes qui ont plusieurs femmes, qu'est-ce que vous dites? Quand l'une va s'incarner à tel endroit pour une mission bien accomplie, bien déterminée, on affecte l'autre aussi à ses côtés pour que, comme d'habitude, elles accomplissent ensemble et bien cette mission-là. C'est là qu'on peut parler de prédestination. C'est là. C'est-à-dire mettre les mêmes âmes ensemble quand il s'agit d'accomplir cette mission. Hein, ces âmes qui ont quand même atteint un certain niveau d'évolution spirituelle. On les met toujours ensemble. Des âmes comme ça, il y en a beaucoup dans le monde. Voilà, c'est là qu'on vous parlait de prédestination. Voilà. Il y a une question. L'acte sexuel serait-il divin au point de pouvoir invoquer à ce moment-là? Invoquer? Oui. Invoquer quoi? Mais faire des invocations. Les invocations, il y a une différence entre invocation et évocation. L'invocation, c'est d'avoir le secours. Par exemple, de Dieu, tu pries Dieu, tu l'invoques, tu demandes son secours. Que vous réussissez à contraindre cet esprit à venir vers vous. Mais maintenant, vous réussissez à obtenir ce que vous voulez. Après là, il va vous tendre un pied. Et c'est là qu'il va vous récupérer mal. Il faut donc faire attention avec ces histoires d'évocation, évocation cérémonielle. Il faut faire attention. Y a-t-il je reviens sur la question des mariages qui sont prédestinés sur le plan spirituel. Ouais. Donc, en fait, la sœur précise, elle parle des personnes qui sont appelées à se retrouver, à faire leur vie ensemble. Si oui, peuvent-elles échapper à cette union? Mais je vous ai dit que si des âmes sont habituées à accomplir leur mission ensemble au fil des incarnations dans le passé. On peut toujours les reconduire ensemble, les remettre ensemble pour continuer à accomplir d'autres des missions futures. Donc, on les met encore ensemble. C'est là qu'on peut parler de prédestination des âmes.
moment du mariage. Oui, oui. C'est la compréhension. Merci, maître. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. De notre échange. Oui. On a appris beaucoup en ce qui concerne la sexualité. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Non. Mon mot de fin, c'est que les gens fassent attention. La sexualité, c'est l'essentiel même de la vie. Essentiel de la vie. Et je dis à tous les niveaux, hein. Hommes-femmes, même les animaux, hommes-femmes, les oiseaux, hommes-femmes, les poissons, hommes-femmes, les herbes, les plantes, manger tout, hommes-femmes, hommes-femmes. C'est ça, cet acte-là, l'acte divin, le tout premier. Donc, il n'est pas, on n'a pas à le diaboliser. Il faut le dédiaboliser. Non, pas des explications, la compréhension et tout. C'est ça. Il faut chercher à comprendre. Ne pas être ridicule d'emblée comme ça, sans chercher à comprendre. Non. Non, non, non. Voilà. D'accord. Merci, maître. Bonne soirée. Merci à vous-même.